Ce sont des pionniers, des explorateurs qui n'ont pas eu peur de mettre leur vie en danger pour aller plus loin, pour découvrir. Je suis Marie-Vincent Latécoère. J'ai épousé le fils unique de Pierre-Georges Latécoère. Mon beau-père a vu que l'aviation était l'avenir. Et alors il a proposé au gouvernement de faire des avions pour la guerre. À la fin de la guerre, il s'est retrouvé avec tous ses avions sur le bras. Qu'a-t-il fait ? Il a pensé à faire une ligne aérienne qui irait jusqu'en Amérique du Sud en passant par, l'Afrique du Nord. Ces avions qui avaient servi à la guerre devenaient des avions de paix. Il y en a beaucoup qui regrettent de ne plus avoir beaucoup de choses à conquérir. Par exemple, Bertrand Piccard, qui se posait des questions. Il disait « tout a été fait, tout a été inventé, il n'y a plus rien à faire, les grands pionniers sont passés avant moi ». Et il a bâti son destin lui-même et il est un grand pionnier. Et on découvre avec eux les problèmes de la planète. Et c'est intéressant de se mettre au courant de toutes les technologies nouvelles, de toutes les découvertes, de toutes les aventures. Latécoère Explorer, ça part d'une idée généreuse. D'une idée généreuse, ça part d'une histoire qui est riche, qui est forte, qui est l'histoire de Latécoère. Le premier projet que nous avons retenu est celui de Loïc Blaise, le Polar Kid. Non seulement il fait son aventure du circumpolaire, mais en plus, il met en parallèle son handicap, cette dégradation de la santé, avec la dégradation du climat. Et là, c'est un formidable ambassadeur. Pour nous tous, nous sommes tous concernés, et par cette maladie, et par le changement climatique. C'est super dur de monter des projets et c'est vrai qu'à l'époque, moi quand j'ai commencé à grimper dans l'Himalaya, à faire de grandes expéditions, j'aurais adoré avoir des gens autour de moi qui me conseillent, qui me trouvent de l'argent, oui, ça c'est quelque chose d'important, c'est le nerf de la guerre, mais qui me conseillent dans la manière de communiquer, qui me conseillent pour me protéger des autres, qui me conseillent dans la préparation du matériel, donc il y a plein de choses et on s'est dit en se réunissant, cette équipe, on pourrait apporter ça. À des personnes qui ont des projets qui nous semblent intéressants. C'est comme si vous étiez rongé de l'intérieur. Chaque jour qui passe, vous perdez quelque chose. Une autre part de vous s'en va et votre monde s'effondre. C'est une maladie dégénérative contre laquelle il serait urgent que le monde entier se mobilise. Sclérose en plaques. Si on ne bouge pas très vite, on ne bougera plus. Et ça me révolte. Alors je veux décoller avant de ne plus pouvoir voler. Pour combattre l'inertie, lever des fonds et aider la recherche à aller plus vite, chercher des solutions, donner de l'espoir et des raisons d'y croire. Faire le tour du monde, là où chaque jour qui passe, nous perdons tous quelque chose. Au printemps 2017, je vais faire le tour du cercle arctique, pour moi, pour vous, avec les enfants du monde.